Comment blanchir les yeux rouges naturellement? Conseils efficaces. Les yeux sont une zone très sensible de notre corps et tout peut rendre rouge la partie blanche des yeux, appelée la sclérotique. La rougeur des yeux peut être causée par différentes conditions, qu'il s'agisse de sécheresse, d'introduction de toxines ou d'un autre objet tel que des lentilles de contact, de fatigue ou d'allergie à un certain produit, entre autres. Ce problème s'accompagne généralement d'autres symptômes tels qu'une vision floue, des sécrétions et des démangeaisons dans le contour des yeux. Bien qu'il existe différents produits pharmaceutiques pour soulager les rougeurs, dans cette vidéo, nous vous montrons comment blanchir les yeux rouges naturellement grâce à quelques remèdes maison. Cependant, si cette condition se produit fréquemment, nous vous recommandons de consulter un médecin pour vérifier la santé de vos yeux. Des compresses d'eau froide pour restaurer le blanc des yeux. Sachets de thé froid pour apaiser les yeux rouges. Remède naturel pour les yeux rouges. Autre recommandation pour soulager les yeux rouges. Des compresses d'eau froide pour restaurer le blanc des yeux. La rougeur des yeux peut être causée par une inflammation des paupières qui, à son tour, est causée par le blocage des canaux qui sécrètent les larmes qui hydratent nos yeux, les lacrymales. Par conséquent, une compresse d'eau froide peut être un bon remède pour réduire l'inflammation du contour des yeux. Pour traiter les yeux rouges avec cette astuce, suivez ces étapes. Prenez une petite serviette propre et sèche et faites-la tremper dans de l'eau tiède ou froide pendant quelques minutes. Une fois trempée, essorez-le pour éliminer l'excès d'eau. Ensuite, vous devez plier la serviette en deux et la mettre sur vos yeux fermés. Maintenant, il vous suffit de vous allonger quelque part pour vous détendre et de garder la serviette sur le contour des yeux pendant 10 minutes. Ce remède à la maison peut être fait tous les jours pour soulager temporairement la rougeur des yeux. Des compresses d'eau froide pour restaurer le blanc des yeux. Sachets de thé froid pour apaiser les yeux rouges. Le thé en sachet peut également être un excellent traitement pour soulager cette affection oculaire. La camomille, le thé vert, le thym et le fenouil sont les meilleures options pour ce problème car ils ont des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires qui réduisent l'irritation et favorisent l'hydratation des yeux. Si vous voulez essayer ce remède, il vous suffit de suivre ces instructions. Prenez deux sachets du thé ou de l'infusion de votre choix et laissez-les tremper dans l'eau froide pendant quelques minutes. Une fois cela fait, prenez les deux sachets et mettez-les au réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils soient bien froids. Enfin, vous devez les mettre sur vos yeux fermés pendant environ 5 minutes. Comment blanchir les yeux rouges naturellement? Conseils efficaces, sachets de thé froid pour apaiser les yeux rouges. Remède naturel pour les yeux rouges. Il existe d'autres alternatives qui sont également très efficaces pour réduire l'irritation des yeux, par conséquent, blanchir les yeux qui sont enflammés. Ensuite, nous expliquons certains des traitements naturels les plus efficaces contre ce problème. Pommes de terre. Ce légume possède des propriétés anti-inflammatoires idéales pour les yeux irrités. Coupez deux tranches de pommes de terre, mettez-les au réfrigérateur et, une fois froides, placez-les sur les yeux. Lorsqu'ils se sont réchauffés à la température du corps, répétez l'ensemble du processus ci-dessus. Concombre, sa richesse en eau lui confère de puissantes propriétés apaisantes et hydratantes, ce qui contribue à soulager considérablement cette affection oculaire. Pour ce faire, vous devez couper deux tranches de concombre, les refroidir très bien au réfrigérateur, puis les mettre sur les yeux pendant 25 minutes. Carotte, ce légume a un effet décongestionnant et anti-inflammatoire qui soulagera immédiatement l'irritation produite dans notre vue. Il suffit de râper et de battre une carotte jusqu'à obtenir son jus et, à l'aide d'un coton, de l'appliquer sur les yeux fermés. Eau de rose, cette fleur a une teneur élevée en antioxydants, ce qui lui confère d'excellentes propriétés apaisantes et rafraîchissantes. À l'aide d'un coton, appliquez ce produit sur les yeux fermés et laissez agir 10 minutes. Autre recommandation pour soulager les yeux rouges. En plus d'utiliser les remèdes maison des sections précédentes, vous pouvez également blanchir et soulager les yeux rouges en suivant ces conseils simples. Ne passez pas beaucoup de temps devant l'ordinateur ou la télévision, une utilisation excessive de ce type d'écran peut provoquer des irritations et dessèchements des yeux. Si vous devez les utiliser pendant longtemps, essayez de faire des pauses de 20 minutes pour reposer vos yeux. Dormir 8 heures, le manque de sommeil est également l'une des principales causes des yeux rouges. Essayez de dormir suffisamment la nuit ou, à défaut, faites une pause l'après-midi. Évitez de se frotter les yeux, quand on a la vue irritée, on a tendance à faire ce geste pour les soulager. Cependant, la seule chose que vous obtiendrez est d'enflammer davantage la zone. Lavez-vous les mains fréquemment, une autre raison des yeux rouges peut être de vous toucher les yeux avec des mains sales. Évitez les endroits enfumés, la pollution, l'air pollué et les endroits avec un excès de fumée pourraient irriter et rougir cette zone sensible.
Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de 1000 types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaires pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.